Wow! Ah! Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Quel est votre comportement volant? Quand vous êtes derrière votre volant, que faites-vous en général? Est-ce que vous êtes prudent? Et est-ce que vous êtes indulgent? Mais comment parlez-vous aux gens? Mais ça m'étonne. Pourquoi nous vous posons toutes ces questions même? Mes frères et sœurs, regardez. Est-ce que vous allez voir? Regardez ça. Il y a un truc à l'écran. Il y a quelque chose qui se passe. Regardez bien. Mais avant, dites-moi. Ah! Vous allez voir ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Dites-moi, mes frères et sœurs. Comment les gens se comportent-ils quand ils commencent à avoir l'argent? Quand quelqu'un n'a pas l'argent, il est humble. Quand tu le vois, tu lui dis bonjour. Bonjour! Parce qu'il n'a pas l'argent, donc il est tranquille. Quand on n'a pas l'argent, on l'aime. Mais quand on commence à avoir un peu d'argent, et surtout qu'on achète une voiture, l'orgueil prend la place. Et on a remarqué que la plupart du temps, les personnes qui sont véhiculées, je ne sais pas si c'est tout le monde, toutes les personnes véhiculées, mais on a l'impression que les personnes qui sont véhiculées sont toujours plus pressées mais que ceux-mêmes qui sont à pied. Moi, je ne comprends pas. Ah, quand on est véhiculé, on est supposé aller plus rapidement que tout le monde. Mais moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous avez remarqué ça? Attendez. Là, ici, on voit quoi? On voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit? J'espère que vous voyez. On voit deux personnes. Une fille et un vieillard. Et apparemment, ce vieillard-là lui barrait le chemin. Elle devait passer. Mais elle est tellement pressée que... Aïe, 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 c'est une bizarre complication. Maintenant, vous savez aujourd'hui que les réseaux sociaux sont là. Aujourd'hui, tout le monde a son portable. Elle peut seulement prendre photo. Il y a deux caméras même ici. On se prend en photo, on se prend un truc, on se met ça sur les réseaux sociaux, un peu partout. Voici comment ils ont filmé la scène. Voici comment les gens ont filmé la scène, tout simplement. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ces choses sont plus réelles que réelles. Mais comment ça se fait? J'ai même du mal à y croire. Ah! Tu n'avais pas de voiture. Tu étais bien, tu marchais comme nous. Là, il n'y a pas de problème. Mais depuis que tu as une voiture, qui commence à insulter tout le monde. Même regardez, même quand vous êtes au volant, quand vous juste vous montez dans un taxi, souvent les gens vont se mettre à s'engueuler comme ça, les conducteurs là. Ils vont se mettre à s'engueuler. Et c'est comme si c'est devenu un comportement en eux. Ah! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une nouvelle mode ou bien c'est un nouveau style? Mes frères, se réagissez. Mais ici, ce qui va se passer là, que nous allons même vous montrer même maintenant. Mes frères et sœurs, ça va pas du tout vous plaire. Ah! Qu'est-ce que c'est? Bon, nous allons vous expliquer. Déjà, pour commencer, nous allons vous dire, nous ne sommes pas là pour juger les gens. Tout le monde peut faire des erreurs. Si nous vous disons toutes ces choses, c'est pour vous dire que il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe et qu'on a tout simplement besoin de revoir un peu nos comportements. Voilà. Mon frère, ici, c'est que toi, peut-être, tu as la moyen de t'acheter une voiture. Tu as peut-être une voiture, tu as tout ça. Mais analyse maintenant ton comportement volant. Comment tu conduis ton véhicule? Comment tu conduis ton véhicule? Comment tu te comportes? Tout ça au volant. Il faut vraiment analyser ces situations. Parce que ça, vraiment, ça a tellement choqué les gens que les gens ont décidé d'en parler. C'est une chose qui a tellement touché les gens. Regardez ça. Regardez. Bon, on va en parler maintenant. On voit deux personnes. Deux personnes. Une femme et un homme. Cette fille qui est là, elle est jolie. Hein? Mais ça ne nous intéresse pas. Quand tu es belle, il faut manifester aussi un joli comportement. Quelle que soit la situation, il faut vraiment avoir la crainte de Dieu. Et un grand respect pour les aînés. Il faut les respecter tout simplement. Il faut éviter les histoires. Voilà. Et elle conduisait son véhicule quand cet homme se trouvait sur son chemin. Si cet homme n'était pas sur son chemin, elle n'allait pas descendre. Elle a eu une bonne raison de descendre de son véhicule. Puisque ceux qui sont véhiculés, comme vous l'a dit, ils sont tout le temps pressés. Tout le temps pressés. Maintenant, elle va carrément trouver ce gars-là, cet homme-là. Et
bizarrement, il faut faire des échanges de mots. Or, elle peut être sa fille. Elle peut être carrément même la fille de son enfant. Il peut être son grand-père. Mais à un moment donné, regardez ce que ça donne. De la vie, là, franchement, quand vous dites d'avoir, on nous dit d'avoir la crainte de Dieu, c'est la vérité. Hein? Et il faut poser de bonnes actions tous les jours, tu ne sais pas. Quand on dit le mur des oreilles, là, vous voyez, elle ne savait même pas qu'elle était filmée, regardez. Peut-être que plus tard, elle s'est rendue compte, mais c'est trop tard. Le mal est déjà fait. Les gens vont en parler jusqu'à. Oh, c'est Bisby. Attendez, nous allons régler ça rapidement. Voilà. Ah! Que Dieu nous aide à aller jusqu'au bout. Mais regardez, nous allons appuyer sur play, vous allez voir de vous-même. Hein? Regardez. Regardez ça. Ici, regardez ce qu'on voit. On voit clairement qu'elle est fâchée. Elle est fâchée. Quand les gens ont des voitures, ils sont tout le temps pressés. Ils sont tout le temps pressés. Moi, mais je ne comprends pas ce qui ne va pas même. Ils sont tout le temps pressés, tout le temps pressés. Ils sont collés. Souvent, c'est bizarre. Ah! Et les gens sont en train de parler. Tout sont en train de l'insulter. Tout sont en train de faire comme ça. Mes frères et sœurs, nous tous on fait tous la même chose, ne jugeons pas les gens. Nous tous on fait tous la même chose, regardez encore. C'est une erreur grave qu'elle vient de commettre. Regardez ça. Et elle échange des mots même avec ce vieil homme, hein, cet homme âgé. Ah, est-ce qu'il se trouvait sur son chemin? Peut-être que s'il se trouvait sur son chemin, elle allait l'écraser. Non, elle allait dire juste, ah mon ami, tu veux mourir ou quoi? Regarde où tu vas. Est-ce que tu veux mourir? Peut-être qu'elle essaie de lui donner des conseils. Mais apparemment, c'est des nouvelles choses. Regardez. Regardez. Et ceux qui filmaient là, l'insultaient. Hein? C'est pourquoi elle a fait la portière. Est-ce que vous avez vu? Bon, revenons juste un peu en arrière. Vous allez voir ça. Regardez bien. Regardez bien ça. Regardez. Hein? Oh, voilà, regardez. Échange de mots. Hmm? Échange de mots. Et vraiment. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez qui c'est? Peut-être que vous êtes très, très, très fort. Vous êtes très, 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 très fort même. Vous êtes même plus informé même que l'informateur. Mais nous allons vous dire que ne l'insultez pas. Il y a plein de personnes qui viennent sur les réseaux sociaux même qui ont déjà commencé même à l'insulter. On te met à insulter quelqu'un là, il faut lui donner des conseils. Qui n'est pas, qui n'a jamais péché ici? Toi-même, au volant, comment tu te conduis? Tu te mets à insulter les gens, insulter comme ça, ceci, la moquerie, tous ces genres d'histoires-là. Ce sont des trucs à éviter, hein. Parce que ça tourne. Si tu te moques de quelqu'un, un jour, toi aussi, on va se moquer de toi. Ce sont des choses que vous pouvez prendre à de la blague. Mais quand je lui donne de vrais conseils comme ça, on pense que c'est ta blague. Lisez le livre de Proverbes. Il y a de vrais conseils pour nous. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez vu la vidéo? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Regardez comment les deux sont positionnés. C'est presque, on peut dire même, presque même de la bagarre. C'est grave. Elle est même descendue de son volant, de sa voiture plutôt. Hein. Elle a laissé son volant. Là. C'est qu'elle était vraiment en colère. Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa vie ce jour-là pour qu'elle se soit si sûre vraiment? Aujourd'hui, les tempéraments des gens changent à tout moment. Tu peux voir la fille, elle est là tout tranquille, tout de suite, il y a quelques secondes, seulement elle était bien, oui, elle était joviale. Tu reviens la voir, son humeur a changé. On ne sait plus ce qui arrive en ce moment. Les gens changent d'humeur. Il y a des problèmes par-ci, des problèmes par-là. Il faut aller vite, les gens veulent aller vite. Il faut être plus pressé que pressé. Mais regardez ce qui arrive. Un jour, j'étais dessus dans un véhicule. Et tout le monde était pressé pour arriver à là où les gens avaient envie d'aller. Ah! Le véhicule, le conducteur roulait, conduisait sur le véhicule jusqu'à un moment donné. Il a eu des échanges de mots avec un conducteur de taxi. Ah! Le conducteur de taxi s'est arrêté au feu avec le gars. Il a dit, je t'attends devant. Le descend, on va se faire la guerre, on va se battre. Et il lui dit, il est devant, il lui fait le feu, je suis devant, on va se battre. Ah! On va se battre.
carrément. Juste là, comme ça. Et ce sont des hommes responsables, hein? Des hommes âgés. Mon monsieur Tony. Mais. Ah! Depuis quand tu vas voir un piéton qui marche tranquillement, il est en train de marcher tranquillement, qui va avoir de tels problèmes avec un gars qui est en train de marcher comme lui. Mais quand vous avez la possibilité d'avoir des voitures, c'est là que vous êtes trop pressé. C'est pourquoi on dit même que la science même là, c'est ce qui nous tue quoi. La science, on dit, quand on dit que la science même a fait le malheur des gens là, on dit la science ça arrange et puis ça détruit. Ah, regardez ça, c'est un téléphone, n'est-ce pas? Oui. C'est un téléphone n'a pas appelé, non? Il y a, ouais, oui, c'est, on sait. Mais en même temps, on sait que si tu as ça et que tu utilises mal, ça risque de te créer des problèmes. Avec les antennes, on met pas assis, tout ça, on dit que ça agit sur la santé des gens. Mais qui le sait? Mais quand même, c'est des problèmes. On parle de la technologie 5G qui arrive. Tout le monde est content. On dit, oh, la connexion, en début, ça va être chaud. Aïe, 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 aïe. Mais en même temps, les antennes, tout ça, on nous dit que ça aura des conséquences sur la tête des gens. Quand on a inventé les voitures, tout le monde était content. On dit, oh, on va aller plus vite. On est fatigué de marcher. Ça fait longtemps même, on marche des milliers de kilomètres et puis on n'arrive pas. Dieu merci, ils ont créé des voitures. Problème résolu. Mais regardez, on a cru que le problème s'est résolu. Mais bizarrement, le problème n'est toujours pas encore résolu. Puisque les gens ont décidé d'abandonner les voitures pour descendre comme ça. Regardez ce que la colère peut pousser les gens à faire. La colère d'une femme très jolie intéresse son véhicule. Quelle que soit votre beauté, vous pouvez vous mettre en colère. Moi, c'est aujourd'hui, j'ai vu ça. La fille-là, elle est jolie, hein? C'est pas que j'étais de lui dire, je lui dis, ah, oui, il était marié, mais je lui ai dit, elle est jolie. Est-ce ici de tout ce que nous avons dit là, est-ce qu'on l'a insulté? Si on t'a insulté, ma soeur, pardonne-nous. On n'a pas dit ton nom pour éviter les histoires. De toutes les façons, nous tous, nous n'est pas fait ici. Mais si tu t'es comporté comme ça et que tu reconnais que c'est mauvais, ma soeur, tu n'as même pas besoin de venir mettre sur les réseaux sociaux pour réagir. Dans la vie réelle, il faut nous montrer que c'était une erreur et tu as changé tout simplement. C'est tout. Parce que tu as vu, si les gens disent qu'elles viennent faire des vidéos pour s'excuser pour ce qu'elle a fait, bon, elle peut s'excuser, elle peut même aller devant le gars pour s'excuser, mais ce qui s'est passé entre les deux. Est-ce que vous savez bien ce qui s'est passé entre les deux? Peut-être qu'il y a un truc qui s'est passé que vous nous ignorez, mais les images sont là. Mais quand on voit ça déjà, on se dit que comme cet homme est âgé, on ne peut pas donner raison à la fille devant un homme âgé. Ça, c'est la sagesse qui dit ça. Devant un homme qui est âgé, tu ne peux pas avoir raison. Sinon, c'est Dieu lui-même qui va juger l'affaire. Même David, devant Saül, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que seul Dieu... Il a dit que Dieu sera le seul juge en toi et moi. Il ne veut pas le tuer. Il dit non, seul Dieu sera le seul juge en toi et moi. Si c'est un bon gars, si c'est monsieur bien comporté ou monsieur mal comporté, nous tous on sera ça ici. Mais regardez vous-même. Regardez encore. Regardez ici ce que vous voulez voir encore. Regardez bien. Si je mets juste le volume, vous allez entendre les paroles, les voix, tout ça. Mais il peut faire, ne met pas même... ajouter à cela des paroles choquantes, parce que ce sont des mots blessants. Et elle est montée dans son véhicule. Regardez. Oh, elle a démarré. Là, elle va partir. Quand on démarre aussi une voiture aussi, ça met du temps. Vous n'avez pas remarqué? Non, mais pas souvenir quand tu as à pied là même là, c'est un peu chic. Attendez, revenons. Non, revenons un peu en arrière. Regardez, quand elle a à pied même là, je pense que c'est un peu chic, regardez. Regardez, quand elle a à pied même là, elle est encore même plus... Ouh, elle est même encore plus jolie même. Mais ça va pas dire, faut laisser ta voiture. Mais si tu es dans ton véhicule, il faut te conduire bien. Mes frères et sœurs, que ça nous serve d'exemple. Que ça nous serve vraiment d'exemple. Ça nous donne de leçons.
et que nous apprenons vraiment à être vraiment plus sages au volant. Trop pressé, pressé là. Ça tourne ta bête. Un jour, il y a une femme. Elle allait quelque part. Elle voulait emprunter un bus. Elle voulait juste emprunter un bus. Maintenant, elle, ce qu'elle ne savait pas, c'est que son bus allait avoir un accident devant. Mais il fallait l'avoir été d'être pressé, 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 pressé. Où elle était prête à monter dans le bus là. Quelqu'un l'a appelé. Son téléphone a sonné, on l'appelle. Mais c'est qui matin là? Qui m'appelle aujourd'hui là même? Oh, je vais l'insulter! Il sait pas que moi je suis pressé pour aller au travail. On m'a arrêté de parler là même. Le bus même a déjà décollé le téléphone en train de courir derrière le bus. Quelques temps plus tard, elle va apprendre, quand elle va retourner à la maison dans le journal télévisé, que le bus en question a eu un accident, s'est tombé dans l'eau, sur le pont là-bas. On ne sait pas comment le conducteur s'est arrangé, mais le bus est tombé dans l'eau. Tous ceux qui étaient trouvés à l'intérieur sont morts. Ils ont même les machines même pour venir faire sortir le bus même de l'eau. Voici ce qui arrive. Que Dieu nous protège, mes frères et sœurs. Que Dieu nous protège. Prenez soin de vous. Et conduisez-vous vraiment bien au volant. Regardez-moi comme c'est passé en train de regarder la scène. Elle est connue, hein? Il suffit juste que je vous dise le nom et puis vous saurez tout. Mais pardonnez-la, ne l'insultez pas. Ça ne servira à rien. Nous tous commettons des erreurs. Que Dieu bénisse, frères et sœurs, que nous voulons soin de vous. Préparez-vous pour la prochaine vidéo maintenant.